Wouhei! Salut à toutes et à tous, ici Lia, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lior. Alors, juste pour récapituler un peu où on en était, on venait de terminer l'ensemble des niveaux de la campagne normale. On avait affronté le dragon et tout ça, bref, on avait réussi, aucun souci. Aucun souci, ok, on a peut-être un peu galéré à la fin, mais ça s'arrêtait là. Et on a un mode Buzzkiller qui nous attend ici, où en gros on va avoir une association de boss, j'imagine, qu'on va pouvoir atomiser. Seulement, j'ai eu quelques petites sources bienvenues qui me font penser qu'il y a quelque chose si je clique sur le titre en bas à droite. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Ah, le secret Dark Level. Ah là là, ce Clément est un petit cachetier. Merci à lui de m'avoir avoué qu'il y avait un niveau secret que je n'aurais tout simplement pas trouvé autrement. J'aurais jamais eu l'idée d'aller cliquer sur le titre en bas à droite, pour être honnête. Après, je sais pas si ça avait été dit dans le champ des forums ou si ça avait été leaké par quelqu'un, je n'en ai aucune idée si c'était censé vraiment rester secret. Désormais en tout cas, ça ne l'est plus vraiment. Et... en tout cas, on va tenter de se faire ce petit niveau secret en plus du Dark... non, pas du Dark Level. Donc ça, c'est le Dark Level au final. En plus du niveau basé sur la chasse au boss. Ce sera ce qu'on va tenter de faire lors de cet épisode. Ouh là là. Oui, pas d'humeur. Hop là. Je sais pas du tout combien il y a de Dark Level. Je ne sais pas du tout. Si... enfin, j'imagine qu'ils sont plus... j'imagine qu'ils sont plus durs que la moyenne. Genre là, j'ai déjà presque plus de bombes, mais, mis à part ça, je sais pas quelle longueur il fait, surtout s'il y a un boss ou quoi que ce soit. Aïe. Hop, hop, hop. Alors, il y a une boule, là, j'ai pas envie de la voir. Bon, j'ai plus de bombes, j'ai plus de joker. Maintenant, faut que j'affronte la situation par mes propres moyens. Allez, allez, allez. Hop. Allez, non, je suis pris un. Ah, 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 ah. C'est bien. Puis, je donne ça. Non. Non, je vais mourir là. Je vais mourir. Zit! Ah, la braid. Il reste encore deux vies. Deux vies, une bombe à sa main de mort. On va avoir un boss. Non. Sauf que j'ai cru, généralement il y a le petit warning lorsqu'on a une attente comme ça. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Waouh, heureusement j'ai regagné une bombe. Hein. Hop. Ça c'est bon. Hop là, pas de soucis. C'est fou parce que je viens... aïe, oh mais lui sérieux, il m'a enlevé tous mes upgrades. Comment je suis censé pallier à cette situation? Les tirs latéraux qui m'ont eu. Ah, je suis deg. Ok, d'accord. Du laser. Hop. Shit. Shit. Non. Shit. Non! Il y avait des bouboules. On reste comme plus de vie. Mais il est long ce level. C'est un peu dingue parce que je viens de me réveiller là. Oh non, sérieux. J'ai été naze. J'ai été naze, je fonçais dans les trucs comme un imbécile. J'ai une petite perte de framerate, hein.
peu étrange. Ah, ça. Oh, je vais trop vite. Il faudrait vraiment une touche de focus pour ce genre de choses. Même si c'est pas vraiment du manique. Mais... une touche de focus, c'est toujours impressionnant. Ouais, du coup, je suis pas ouf, mais j'ai l'impression que je m'en sors mieux en tout cas que lorsque je suis sur le point d'aller me coucher. Hein. Là, si on tire latéraux. Hop. Le mouvement de ce vaisseau, il va tellement vite parce que je fais juste une pression sur la touche de déplacement. C'est déconcertant. Ok. J'ai l'impression que c'est davantage des crans, tu sais, que vraiment un mouvement. En fait, quand tu te déplaces après un peu dans toutes les directions, c'est très fluide, mais... tu veux juste faire un petit coup vers l'avant, vers l'arrière. Hop. Oula, oula, oula. Toulou, toulou. Wouh. Just. Il y a trop de balettes là. Je rame. Allez. Alors, là, il y a la boule. Hors de question que je me prenne la boule. Je sais pas où on en est par rapport au niveau complet. Hop. Ouais, c'est la technique du bord de... Oh là. On va arrêter un peu. C'est la technique du bord de l'écran. Je rigolerai moins quand il y aura les lasers qui m'empêcheront de tirer vers l'arrière de l'écran, et qui vont se mettre devant moi. Ok. Ne fais qu'un avec l'espace. Avec les forces noires. Non, je me sentais pas là. Plus qu'une bombe. Oh. Hop, ça c'est bon. Ah. Dès que je vois une boule, je me sens obligé de l'utiliser parce que quand je vois dans quel état m'ont mis avant. Hop. Faut que je fasse attention aux tirs latéraux, quand est-ce qu'ils arrivent. Voilà. Ah, on en est à la phase des lasers. Allez vers le bas. Hop. Ça, de toute façon, les vagues, tant que je suis de ce niveau-là, bon, sur le côté comme ça, c'est safe. Non, j'ai plus de... Oh la vache. Oh là 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 là, les boules m'ont mis trop mal. J'espère, il faut qu'il y ait des upgrades qui arrivent sur le côté là où je suis pour que je puisse avoir un minimum de boucliers. Allez. Bah, je me prenne les balettes, conserver mes upgrades. Non, il y a des boules. Vache. Non, c'est quoi ça? Oh non, mais ça par contre c'est horrible, sérieusement. Déjà que je fais une technique de... une technique de petit couard sur mon... Oh là là, je me prends le truc pour prendre le bride. Technique de petit couard pour faire le niveau, je vais avoir un score minable. Mais on va arriver à la fin du level. Oh non! Hors de question par contre que... Ah mais ouais, ok, d'accord. Il utilise ses boules contre ma technique infaillible, mais ça ne suffira pas. J'ai plus de bombes. Ah. Non, sérieux. Faut que je perde en concentration.
ce niveau est tellement long. Ouh, ouh là là. Level 1. Comment ça, level 1? J'ai pas envie de refaire tous les niveaux. Enfin, le jeu est très bien, mais on a un Dark Mode Boss à faire. C'est vraiment niveau 1 ou... Enfin, je veux dire... inchangé. Y'a aucun ennemi, y'a pas de mini. c'est peut-être mon dossier qui a fait n'importe quoi, ou alors il avait pas prévu qu'on puisse faire bonus mode, je sais pas. Bon, on va revenir à l'écran titre. Tu m'expliqueras à quel moment. Je ne comprends pas. Bon. Et à passer au mode Buzz Killer. En espérant qu'on y arrive. Et non, la dernière fois je me disais c'était une nouvelle musique, mais c'est la musique des Buzz, je suis bête. Par contre, le fond coloré, je l'aime beaucoup dans cette couleur. Plutôt stylé. Allez! Voilà. Oh là. Par contre, la suite de boss, là, ça me fait un peu peur. Allez. Hop. Parce que là, je peux pas faire une technique, genre je me mets au bord de l'écran et je les tue tous, ça va pas marcher. Là. Ça va, aucun problème, on va penser le premier. Il y a combien? Il y a 4 boss du coup. Et qu'on avait 8 niveaux et un boss tous les 2 niveaux. Hop. On lui faut juste en subir des dégâts. C'est vrai. Ça va se passer sans problème. Ok, 2-1. Suivant. Encore 3. Encore 3. Tout, tout, tout. Allez, 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 ramène-toi. Wouah! J'avais oublié qu'il y avait des lasers. Allez, les tourelles là d'abord. Au café. Ok, yes, c'est bon. On fait la tourelle là aussi, puisqu'on y est. Ok. Tire en diagonale sur le laser, nice. Petit tire en diagonale sur l'autre laser. Allez, et crève, bon sang, petit laser. Allez, hop, les deux tourelles. Soyons méthodiques. Il se met bien au bord de l'écran, il a assimilé ma technique. Ok, ensuite. Ensuite, c'est les petits moucherons. Hop là. Hop là. Ça, c'est bon. Atomisation, maintenant c'est le coup du laser. Faut pas que je perde trop de vie là-dessus. On va faire la vieille technique. Tant pis pour le coup du super super laser qui fait trop mal. J'avais quand même envie de le tester. Je vais pas faire trop n'importe quoi quand même. Ok. Petit à petit, tranquillement. Ouais, c'est pas du grand... Oula, c'est pas du grand spectacle, genre je fais des trucs de fou, hein, mais on va y arriver. Tranquillement. Je suis un joueur tranquille. Ok. Ah, mais j'ai qu'une vie en plus. Ah, le salaud. Ah, j'avais pas vu. Je me disais, je suis bien, là. Mais non, j'ai qu'une vie. Ah. Du coup, ouais. Je vais encore plus safe. Moi, je vais essayer. Allez, on reste dans le tourniquet. Là. Allez, allez, allez. Il n'a mis qu'une seule vie. C'est saloupio. Là. Surtout qu'il me donne des bombes, mais... Enfin, mis à part pour le dernier boss, ça peut m'aider.
les bombes, voilà quoi. C'est pas comme si j'allais péter le corps avec ça. En remarque, ouais, ça détruit les belettes. Ok, d'accord. Je peux bien admettre ça. Faut les utiliser à titre préventif. Oh, oh non, sérieux. Non. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Allez, on se ressaisit. Je touche encore quand je suis au milieu. Ah, bien, upgrade. Je tombe dessus assez naturellement, c'est bien. Ok, ok, c'est bon, on est remaxé. Ah oui, là, c'est le laser qui te poursuit. Hop, quand il charge. Ok, gardez le rythme. Go, 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 go. Ok, c'est bon. Allez, tête de dragon maintenant. La tête de dragon, chaud avec une seule vie, hein. Allez, allez, allez. C'était quoi déjà lui? D'accord. Hop, 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 hop. Oh non! Je fais n'importe quoi. Non. Hop. Hop. Ok. Ensuite. Hop là. Là. On revient par là. Merde, je me suis bloqué comme un imbécile. Je vais pas être maxé, là c'est pas bon. Ok. Ok, ensuite. Les moustiques, j'ai pas de tir en diagonale. Chaud. Charger les bombes. Si les moustiques s'approchent trop, une bombe dans la face. Et voilà, ça se passera comme ça. Si j'arrive à l'avoir sans me faire toucher, je me refais maxer pour les lasers. Ok, d'accord. Ouh, allez, allez, allez. Tranquillou, tranquillou. Ah, mais il s'en prend bien là. Est-ce qu'il lance moins de moucherons que normalement? Je sais pas. Je ne sais pas si les boss sont plus simples ou pas. Bon, c'est un peu la même chose là pour le coup. Jusque là, j'ai l'impression de le toucher un peu plus. Je sais pas si c'est parce que j'ai un bon rythme ou si c'est parce qu'il y a moins de moucherons. Ok. Attention. Oh la vache, le salaud! Là, faut que je me fasse maxer en le combattant lui. Hop. Ah, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Je me ferai pas maxer du coup. Ça craint. Allez. Ok. Je suis pas maxé, sérieux. Bon. Allez, hop. 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 Sérieusement. Je sais ce que je vais faire. Alors il va normal. Et qu'il a ses deuxième missile là. Ok. J'ai réussi à louper. Pas grave, on retente. Oh non! Ce fail. Reste une bombe. Oh là là! Je suis en déchet, je suis trop naze là.
Allez, on va essayer d'y aller normal du coup. J'ai plus aucun upgrade, sérieusement, j'ai plus de bombes. On est mal. Allez, allez, on y croit. Je me suis pris. Je me suis pris, mais lui il a presque plus de vie. Attends, le laser, c'est lui le plus dangereux. Mais c'est... j'ai l'impression que ce timing est n'importe quoi là ou quoi. Ok. Ok. Ah ? Alors ? Alors ? Plus de bombes, plus de... Quoi ? Ah mais... Oh ! J'ai plus de bombes, j'ai plus que... Waouh ! Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça ? Ok, faut que je tire sur quoi, là ? Waouh ! Alors, attends. Oh ! Non ! Sérieux ? Oh ! Oh ! Oh la vache. Bon, ok. Je sais pas encore exactement comment péter l'autre, là, mais c'est pas grave. On va essayer de le réatteindre. Je pense que je vais vous faire une petite coupure fraps le temps que j'atteigne. Ok, ça y est, on est retourné contre le dernier boss. J'ai quasiment pas d'upgrade. Allez, on va essayer d'atomiser les lasers le plus vite possible. Ok. Wow. D'accord. Oh la vache. C'est quoi ça? Ok. Ok, d'accord. Allez. J'ai plus de laser. Ok, c'est bon. On va récupérer quelques droïdes de passage. Ensuite... Wouah. Tant pis, pas le choix. Ok. D'accord. Et maintenant... Wouah. C'était quoi ça? Wouah. Mais comment t'es censé le savoir ça, sérieux? Oh, ça c'était vraiment salaud par contre. Waouh! Ouh là 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 là! Autant les lasers, je me suis fait avoir, je me suis dit. Faut être agressif et ça passera, mais là. Ok. Bon bah retentons. Retentons. Ouais, wow! Ok. On est mal niveau vous faites tout ça. Je flippe à cause des lasers, je flippe parce que j'ai une bombe en moins, parce que je me suis bourré de touches comme un gros noob. Allez. Mal. J'ai plus de bombes, il va y avoir la chute des corbeaux noirs là. Je vais bien les laisser se stacker. Plus de bombes pour le passage avec lui. Allez, meurs toi, meurs. Voilà. Ok, on a un super crâne là. Dès que je pète le truc, je vais aller sur le côté. Oh la vache.
Oh la vache. Comment je fais? Je vais être en face de lui. Oh la vache. Ok, je lui ai mis un coup. C'est bon, il est pas en face de moi. Comment je vais faire? J'ai vraiment trop peur ce boss, sérieux. Je vais lui faire quelques petits coups là. Oh, c'est bon, il est pas en face de moi. Ok. Je lui fais rien, je crois qu'il faut que j'y aille au laser. On va le laisser bouger. Ok, faut que j'y aille au laser, j'ai pas le choix. Ok. Oh là là, oh là là, oh là là. Non! Ah, bon, dès que je le tue, du coup, je l'ai vite sur le côté. Et je suis obligé d'y aller au laser beam pour pouvoir le tuer. Ok, ça marche. Ouh. Allez, post-frap, on se revoit quand je retourne le contre. Ok, on est full stuff. On va essayer de pas se faire atomiser par les lasers au début. Et d'arriver jusqu'à la tête de mort. Allez, c'est parti. Oh. Ok. J'essaie de garder mes bombes. Ah, il allait me toucher. Allez. Voilà. J'ai pas le choix, je suis vraiment mauvais pour ça. Ok. Tu vas casser ça là. Nice. Les corbeaux noirs. Ouais, ici, sorte. Ah mince, bon pour rien. C'est bon, on a encore une bombe. Ça me sert à rien d'ailleurs, pas vite. Ok, sur le côté. Ok, je suis obligé d'y aller au laser là, sinon je l'aurai jamais. Ouh. Allez, j'attends qu'il revienne ici. Nul pour faire ça, sérieux. Les autres boss, j'y arrive un peu mieux, mais là, lui, il me fait tellement flipper. Allez. Ok, un coup. Ça va être long, hein, je vous préviens. Ça va être long. Ah, attends, si je lui enlevais ça, il lui faut... Je sais pas, 6, 7 coups. Ok. Ah, j'ai pas eu. Ok. Parce que là, le pire, c'est que c'est du tout ou rien. Tu peux pas te dire, c'est pas grave si je le fais une fois. Non. Zut, loupé. C'est pas grave. Prends notre temps. Oh là là, sérieux. Je l'ai eu là, non? Bah, c'est pas sympa. Par contre, j'espère vraiment qu'il va pas nous faire un truc du genre je change de pattern à la moitié de ma barre de vie. Sinon, je pète un câble. Sérieux. Oh là 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 là.
tranquillement, garde son sang-froid. Non! Oh là là, non, faut plus que 6 coups. Ouais, un peu une dizaine. Ok, là, la moitié de sa barre de vie. C'est ce qui change le pattern. Pour le moment, ça a l'air bon. On va essayer d'atteindre les 25%, on verra si elle change de pattern. Est-ce qu'il change de pattern? À chacun des coups, je vais me poser la question, j'ai trop peur. Oh là là. Ok. S'il se ramène de mon côté, j'arriverai pas à réagir. Je le dis tout de suite, j'en suis conscient. Ok, j'ai eu trop peur là. Ok. Encore deux coups, je pense. Je pense pas qu'un seul suffise là. Je la veux là, sérieusement. Tant pis, on va attendre une prochaine aller-retour. Ah, sérieusement. Oh, oh oui. Oh, allez, allez, allez. On l'a fait. Et Clément Villet qui me disait ouais, tu vas mettre je sais pas combien de temps, machin. Voilà, voilà. Bon, ok, je vous ai cuté quelques essais. C'est clair. Et j'ai beaucoup sué parce que au final, on repart les petits boss. Avant la créature de fin, au final, ça devient un petit peu pâle parce qu'on les connaît. Donc du coup, bon, je voulais enlever. Par contre, je les tuais de plus en plus rapidement. Donc il y a une certaine expertise qui se met au point, et notamment avec le laser beam, ce que j'appelle le laser beam, parce que dans R-Type ça s'appelait beam. Mais le fait de concentrer son tir pour balancer un gros laser, c'est juste vachement efficace contre les boss. Je l'utilisais pas quand on était dans la campagne. Je l'utilisais relativement rarement à mon premier essai de ce mode-là. Mais par contre, à chaque fois que je revenais jusqu'au boss de fin, j'allais de plus en plus vite parce que j'utilisais de plus en plus ce laser beam, qui est au final la consécration de l'affrontement, vu qu'on est obligé de l'utiliser pour le cœur du dernier boss. Plutôt bien géré là-dessus, et j'ai vraiment l'impression de m'être amélioré à l'heure et de retrouver un petit peu mes habitudes dans le shoot. Bon, je suis encore un peu frileux, mais m'obliger à attaquer directement le boss pour la phase des lasers et à utiliser le laser beam de manière efficiente, je trouve que c'était plutôt bien vu de la part des concepteurs et de ce jeu. Je pense qu'on peut dire qu'on a terminé le jeu. Voilà, je vous ai fait tous les modes que j'ai pu voir, y compris ceux que je ne voyais pas. Encore merci Clément de m'avoir montré de m'avoir précisé ce petit tips pour le mode dark. Donc ouais, si vous voulez le faire, le petit niveau caché, il est en bas là-bas. Là vous avez le point d'interrogation. Alors, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais avoir un petit travail de montage à faire pour ma part. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et concernant l'or, je vais m'atteler à une petite review qui n'arrivera pas tout de suite parce que faut que je la prépare pour le coup. Mais je la ferai avec grand plaisir. Et vous avez toujours d'autres playthroughs sur la chaîne qui sont en cours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette aventure. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À toutes !